Parfois, quand on est dans la barque face à une tempête, il est très difficile de garder son sang-froid. Difficile de ne pas baisser les bras et de ne pas quitter le navire. Mais bienheureux celui qui garde foi, car Dieu reste dans le bateau. Et rien ne peut l'empêcher de calmer cette tempête. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas Cassia, bienvenue dans cet épisode de Chronique d'un artiste en développement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ce type de vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous invite d'ores et déjà à aller regarder les plusieurs dizaines d'épisodes qui sont déjà sortis. Il y a un épisode tous les dimanches qui sort, qui retrace mon épopée et les coulisses de l'accomplissement de mon rêve le plus cher, celui de devenir une star internationale. Pour un petit peu vous recadrer les choses, je suis auteur-compositeur-interprète, je m'appelle Lucas Cassia, j'ai sorti plusieurs titres disponibles sur toutes les plateformes de streaming, vous pouvez d'ores et déjà aller les checker, et depuis maintenant quelques temps, je propose au public de tout simplement me suivre dans cette quête, dans cette aventure, dans ce pari fou que je me suis lancé, qui est celui de chanter tous les soirs devant des milliers de personnes mes chansons à travers le monde, celui de voyager et de partager ma vision du monde, ma lumière, mon amour pour la musique avec ma guitare partout sur les plus grandes scènes de cette planète. Alors si vous voulez faire partie de cette armée qui montrera que la France est capable aussi de faire résonner les cœurs à travers le monde, et surtout que vous voulez me soutenir, alors n'hésitez surtout pas d'ores et déjà à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à liker, partager, commenter, je réponds à tout le monde à chaque fois. C'est super important pour vous, c'est gratuit, ça ne demande strictement rien. Et pour nous, ça peut littéralement changer nos vies. Alors allez-y abondamment et on se retrouve pour la suite de la vidéo. C'est vraiment un épisode que je kiffe. Alors bon visionnage. Alors vous l'avez pas vu, mais ça fait bien 2-3 mois que j'ai pas pris la caméra depuis la remise en question la dernière fois que vous avez vu sur internet. Mais en fait, vous, ça change rien. On est le 27 avril, mais vous avez des vidéos quasiment toutes les 2 semaines. No stress, la websérie est toujours d'actualité. Je fais cette vidéo parce qu'en fait, il se passe pas mal de choses en ce moment. Je travaille avec une bookeuse qui s'appelle Jenna, qu'on a intégrée dans l'équipe, qui habite à Nashville. Le bon Dieu a fait les choses de façon incroyable. Laura, Bella Music Agency, bah elle est là, hein, elle est là, elle est toujours là. Il y a Margot, ma future femme, qui travaille aussi sur le projet, et monsieur Jules qui m'accompagne, que vous avez vu en vidéo bien évidemment. Bon, là on est une grosse équipe. En fait, on a lancé la tournée On Tour, les dates tournent, et aujourd'hui à 18h je vous annonce la palanquée de dates qu'on a réussi à avoir. Je crois qu'il y en a une trentaine. Je me remets en question par rapport au projet, par rapport à l'industrie musicale actuelle en France. J'ai l'impression d'être un peu déphasé. Je sais pas forcément si c'est à cause de moi, si c'est ma perception personnelle de la vie, mon point de vue sur la musique en général. Je suis déphasé total avec ce qui se passe ici. Je me rends compte qu'en fait, on nous vend de faire des choses complètement abstraites et totalement inutiles, comme étant le truc à absolument faire dans une carrière musicale. Mais en fait, pas du tout. Notamment le style musical que tu vas faire. Tu vois, il y a tout le monde qui dit « Ouais, mais c'est pas à la mode, c'est pas à la mode. » Et effectivement, c'est vrai. Les gens vont écouter une multitude de choses à 100% urbain en France. Et par contre, tout le reste, c'est mis de côté. Et si tu es dans cette palanquée qui est mise de côté, eh ben, t'es dans la merde. Parce que concrètement, il n'y a absolument aucune autre façon qui est mise en œuvre pour que tu puisses sortir. Et si c'est le cas, s'il y a des choses qui sont mises en œuvre pour que tu puisses sortir, en France, c'est ultra long, ultra compliqué. Je fais plein de choses, je me bats à 100% pour que le projet fonctionne. J'ai l'impression de mouliner, quoi. J'ai l'impression que c'est pas la stratégie que je dois tenir, tu vois. Les chroniques, par exemple, pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec une stratégie web. Pour moi, c'est une création. C'est-à-dire que c'est comme un album, sauf que ça parle de la vie d'un artiste. Je l'intègre pas dans cette boulimie de consommation. Pour moi, on se restreint trop. Voilà, les artistes en France, on est trop restreint. Je suis un mec de live, je suis capable de faire de la com. C'est pas ce qu'on doit demander à un artiste. C'est compliqué pour nous les artistes. Là concrètement, on est le 27 avril, j'annonce une tournée. En fait, le questionnement que je me suis fait pendant toutes ces semaines, c'est qu'a fait des choses concrètes, c'est-à-dire des chroniques, une œuvre, un album, une chanson, compose et fait des concerts. Maintenant, la question qu'il faut se poser, comment est-ce que ça va continuer, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, vous savez où est-ce que ça va. Je me suis mis à travailler de nouveaux sets qui est en solo, avec des loops. Je voulais aussi vous amener avec moi dans la finalisation du processus. Allons-y. J'ai acheté ceci, c'est un switcher AB. En fait, si vous voulez, je me retrouve avec une grande difficulté avec ce nouveau setup. J'ai énormément d'heures de travail pour la mise en place. Mais quand je te dis énormément d'heures de travail pour la mise et démise en place, je sais pas si ça se dit, je dois en avoir pour facilement 1h30 de mise en place et 45 minutes, 1 heure de démontage de tout le matos, que ce soit
sono ou instrument sur scène. Alors si j'arrive et qu'il y a déjà la sono, ça me prend 35 minutes, 45 minutes, mais c'est beaucoup trop long en termes de mise en place, c'est comme s'il y avait un groupe tout entier. Je veux à tout prix que la mise en place, en fait, pour le matos, elle soit facile. Un pedalboard, et puis après, ma guitare que je branche dessus, puis le reste. Ce truc-là, ça me permet de pouvoir brancher un micro pour deux entrées. Et surtout, ça me permet de ne pas avoir à capter le son du micro lorsqu'il est le looper en train de faire une boucle. En fait, ça met sur mute le micro looper. Donc, j'aurais plus qu'à appuyer après pour pouvoir enregistrer et lever le son et le mettre sur la sono. Enfin, ça me facilite de ouf la vie, quoi. Je vais faire la mise en place pour tester si le son est convenable. En tout cas, j'ai fait un concert avec, ça convenait très bien. Je sais même pas si ça vous intéresse, en fait. Écrire des chansons, je sais que ça vous intéresse. Technique, j'en ai aucune idée, donc... Bon, je vous passe les détails du test. Beaucoup trop long, beaucoup trop fastidieux. Mais l'outil est au top du top. Maintenant, mise en place du pedalboard. Et là, je crois que vous allez rigoler. C'est 100% pareil maintenant, disons. Convient parfaitement à la situation. On va monter le set. Donc il va falloir tout bien mettre en place comme il le faut. Et là, ça va être rigolo. On y va. Il y a plein de câbles. En fait, je veux mettre mon HF à l'intérieur. Donc le HF, c'est quoi? C'est un micro sans fil. Et si tu veux, le boîtier HF, je sais pas du tout s'il faut absolument que les tiges elles soient vers le haut. Si j'arrive à le mettre, en termes de pratique, j'arrive au summum du truc. Mon objectif avec ce pedalboard, c'est de faire en sorte que tout le bordel que vous avez pu voir auparavant, il soit plus bordélique. Évidemment, ça fait beaucoup de câbles. Objectivement, c'est vachement plus pratique parce que ça me permet de vraiment pouvoir transporter le truc comme je le souhaite. Et puis surtout, brancher en rapidement, quoi. Je l'ai fait là tout à l'heure avec Guillaume de Musique numéro 1. Campagne. Je vous montre le processus, vous allez voir. Donc j'ai un système AB. Donc en gros, pour vous la faire courte, j'ai un micro branché sur mon looper et branché sur la sono. Et je voudrais le faire en HF. Le délire, si tu veux, c'est de mettre ça ici. Et si j'arrive, alors faut-il encore que ce soit possible, à faire ça, pétard, je te promets, là, c'est l'Amérique, mon pote. Objectivement parlant, ça rentre, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Mais c'est surtout en termes de praticité. Est-ce que c'est possible de le faire comme ça, quoi. Parce que du coup, ça voudrait dire aussi qu'il faut que je mette l'alimentation dans le coin, tu vois, pour que ce soit possible de le brancher. Ça, c'est un peu la gueule que ça a de face. Ça qui sort, c'est pas bon, là. C'est pas bon du tout. Le problème, c'est que je peux strictement le mettre nulle part ailleurs. Tu vois, lui qui est dans cet état, ça me dérange pas. Le souci, c'est vraiment le HF, quoi. En fait, j'aurais dû changer la position de ça, le mettre là et lui là. Comme ça, ça me permet de sortir les deux branches. Bon, il va falloir que j'achète des riselants, beaucoup de riselants. Ça, c'est le dessous. C'est pas glamour. Voilà, c'est la gueule du truc. C'est stylé quand même. Si vous savez le bordel que ça a été, voilà, ça c'est, je sais c'est pas écolo, hein, mais ça c'est tous les riselants que j'ai dû jeter pour faire le truc, et ça c'est le bordel du matos, quoi. Maintenant on va le brancher, on va voir ce que ça donne. Ah, si vous saviez la rapidité de branchement de ce bordel, putain. Oh là là, c'est tellement stylé. Si j'éteins, c'est pas beau. C'est pas beau, mais c'est stylé. Voilà. Me voilà à l'aube d'une toute nouvelle aventure. Une nouvelle aventure live avec un pedalboard qui aujourd'hui va enfin pouvoir me porter pendant des années. Cet épisode, comme je vous l'ai dit au début, c'est un de mes préférés. C'est un des épisodes où vraiment on arrive à clairement voir l'évolution du truc. C'est dingue parce que je trouve qu'il y a un vrai contraste entre ce fait un peu... ben voilà, je suis au plus bas à l'idée de plein de choses par rapport à l'univers musical, mais d'un autre côté... Je suis vachement enthousiaste à l'idée de partir dans une nouvelle quête, de toucher des nouveaux horizons. Et j'adore, en fait, j'adore le contraste. Et je trouve que, on le dit pas assez, je trouve que
Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez. Je comprends pas pourquoi est-ce que personne n'en parle. L'univers artistique, c'est un métier qui est difficile. C'est un métier où on ne donne pas assez l'occasion de pouvoir tout simplement laisser les gens s'exprimer comme ils le souhaitent. Et je sais pas pourquoi, c'est presque devenu aujourd'hui un tabou en fait de dire ce genre de choses. Peut-être parce que ben, l'artiste doit rester un petit peu celui qui est parfait, qui se sent bien, qui a pas de faiblesse. Mais en fait, pas du tout. L'univers artistique est dur et même l'art en soi, se mettre au service de la beauté des choses, c'est énormément de sacrifices. Et je trouve que dans cet épisode, on arrive bien à percevoir l'entre-deux. Et l'enthousiasme, mais aussi un petit peu le découragement que ça peut provoquer. Bon, et bien évidemment, dans tous les cas, j'ai très hâte de vous montrer avec ce navire ce que je suis capable aujourd'hui de faire. Et très hâte de vous partager vers où ce bateau va nous mener, vers quel horizon ce bateau va nous mener. Je pense que c'est un des trucs que tout le monde attend, et même moi compris, j'ai beaucoup beaucoup d'impatience à vous montrer tout ça. Mais il y a une chose surtout que j'arrive à retenir de cet épisode et puis de l'avancée du temps, finalement, c'est que Dieu reste dans le bateau. Dieu reste dans le bateau. N'oubliez pas de vous abonner. Un épisode tous les dimanches à 10h. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère qu'il vous a plu. Partagez-le, commentez, likez. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. La bise. Ciao.